Hey hey hey, bienvenue sur Max Gaming. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, eh bien faites-le dès maintenant et activez la cloche et bien sûr les notifications YouTube sur votre appareil pour ne rien rater. Alors j'ai baissé un peu le son ici pour que vous m'entendiez un petit peu mieux et on se retrouve aujourd'hui, vous le voyez, avec Fort Boyard. Mais attention, parce qu'on a déjà fait des vidéos de Fort Boyard, mais là c'est la nouvelle édition. Oui, j'ai investi, j'ai acheté la nouvelle version parce que la précédente, en fait, on a vite fait le tour. Et aujourd'hui en plus, petite surprise, je ne serai pas seul puisque à côté de moi j'ai une invitée spéciale qui s'appelle... Maggie. Oui, Maggie est avec moi, donc vous l'entendez. Et alors, je vais jouer tout seul parce que pour l'instant je n'ai pas de deuxième manette Switch, mais je vais essayer de m'en procurer une et peut-être qu'on fera des vidéos où Maggie va essayer de jouer également. Donc, je ne connais pas du tout cette nouvelle version de Fort Boyard, qui s'appelle aussi Escape Game, un peu, c'est un autre nom qu'il a. Ce jeu, il est sorti là, cette année, il y a un mois à peu près. On va faire l'aventure en mode moyen, parce que, voilà, durée de la partie moyenne, à 40 minutes, on peut choisir la partie, d'accord. Écoute, on va commencer par une courte, hein, parce qu'il dit 20 minutes. Bon, peut-être que j'irai plus vite, on verra si c'est bien, voilà. Et puis on fera deux joueurs quand on aura une deuxième manette. Ah, bah voilà. Donc on y va, c'est parti, on joue à... Hein. Donc c'est moi qui joue et c'est peut-être Maggie qui va choisir différentes choses. Alors, est-ce que je prends lui, Maggie, elle. Voilà, il n'y a que quatre choix, c'est les mêmes choix pratiquement que... Je prendrais plutôt... Plutôt celui d'en dessous. Oui, footballeur, ça m'a l'air bien. Ok, on prend Noah, la passion, c'est la méthode agile. Pff, je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Eh bien, on choisit le personnage. Ça va chauffer. Je rappelle à Maggie de parler un peu plus fort parce qu'en fait, on a un seul micro pour tous les deux, donc n'hésite pas à parler plus fort. D'accord. Voilà, parce que sinon, on va pas t'entendre. Alors, les paresseux magnifiques. C'est quoi ce nom? C'est le nom de l'équipe apparemment. Bon, on pourrait changer, mais bon, on va faire comme ceci. Les paresseux. Mais magnifique. Alors on va faire cette partie. Donc d'abord il y a les clés, après il y a les indices, et après il y a la salle du trésor. Ah non, il y a le conseil aussi. Allez oui, on va y arriver. On fait des proutes. Ouh, qui s'est capité? Pas moi. Les doublages sont... Alors apparemment dans cette version, le père Foura parle. Ce qui n'était pas le cas avant. Alors, le père Foura a une tête très bizarre. Ah, écoute, il parle. Ah, ils ont ajouté de la voix. Va être soumis à différentes épreuves. À chaque victoire, ils recevront une clé. S'ils obtiennent assez de clés, ils auront accès à la salle du trésor. Mais s'ils pensent pouvoir gagner ces clés, ils se fourrent le doigt dans se fourre. Père Foura. Va commencer en beauté. Ah. Il n'a pas dit le nom d'épreuve, mais en tout cas, c'est une nouvelle épreuve qu'on ne connaît pas. Déplacer, se protéger avec ZR, coup d'estoc, coup latéral, coup rapproché. Oh là là, ça a l'air un peu compliqué ce truc, hein. Les épreuves d'avant étaient plus simples. Va falloir taper là, hein. Ouais, mais je pense que je vais pas réussir. J'espère que vous entendez bien le son du jeu. Peut-être que j'ai baissé un peu trop le son du jeu, je ne sais pas. On va faire des réglages, on verra bien. Je vais peut-être mettre à 80. Attendez, est-ce que je peux régler? Allez, courage, tonton. Oui. Ah bah, il a dit la même chose. Ah non, je peux pas régler. Bon, tant pis. Donc, je me protège. Ça, c'est un coup comme ça. Ça, c'est un coup comme ça. Et ça, c'est un... D'accord. Alors. Oui, bah, j'y vais. Tiens. Et je bim. Me protège, me protège. Tiens. Allez, hop. Je pense qu'il faut lui faire... Tiens. Baisser ça. Ah! Mais tiens! Mais arrête! Protection! Allez hop! J'ai l'impression que l'autre ne sait pas se protéger. Bim! Non! Bim, bim, bim! Wouh! On a gagné! Il est tombé! Wouhou! On a gagné une clé! À toi! Ouais, c'est la même chose. On va gagner toutes les... On aurait dit un miaulement de chat qui se fait étouffer. Le pauvre. Toulou, tout. Ils ont pris la même musique. Est-ce que tu aimes bien Fort Boyard, Maggie? Oh ouais, j'adore. Donc ça veut dire que genre samedi, on va regarder. Allez, ah bah oui. Ok. Par contre, c'est bizarre que ce soit toujours le même qui fasse. Bah c'est nous. Bah oui, c'est comme ça. Alors, le casino.
Va jusqu'au jackpot, récolte les pièces et reviens remplir la balance. Alors, déplacer la jambe gauche, droite, c'est comme les précédentes parties. Garder l'équilibre et activer le siège, crier. Ah, ok, faudra crier apparemment, je ne sais pas. On y va. C'est bizarre de crier quand même. Ah oui, et puis dans cette nouvelle version, il y a rouge aussi, ou blanche. Je crois qu'il n'y a que blanche. Ah ouais. Nouvelle épreuve. Et ils ont vraiment bien repris les épreuves. Hein. Et ils ont bien modélisé, ah bah, c'est exactement les... comme dans le jeu. Il y a les jetons de casino, il y a les boules au sol. Ouais. Alors, activer le siège. Ah, c'est parti, on va tourner, on va tourner, on va tourner. Ah, on peut crier, d'accord, d'accord. Là, il faut faire ZR, ZL pour avancer. Et il faut garder l'équilibre. Oula, 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 oula. Ok. Là, il faut ramasser les pièces. Tac, tac, tac. Ah, ok. Et là, il faut y retourner. Ne tombe pas, ne tombe pas. Ok. Et il faut verser. Ok, ok, j'ai compris. Allez, on y va. Sur le siège. Go. Allez. Mais on appuie sur A. Quel est l'intérêt de se faire tourner? Bah, il faut perdre un peu l'équilibre dans cette... T'es obligé, en fait, pour que les pièces tombent. Oui, bah, elle me dit cours, vite, 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 la dame, là. Ah, allez. Ouh. Voilà, allez, t'y retournes et tu fais pas tomber. Ouais, on en a beaucoup plus, mais il faut pas que je les fasse tomber. C'est bon, allez, hop. Oui, 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 tu peux pas la prendre, là, t'es sérieux? Ah, allez, dernier. Son bras passe, quand même. Son bras passe, mais bon. On y va, on crie. C'est un feignant. En même temps, on est les paresseux magnifiques. C'est vrai. Ah, on a fait le jackpot. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Garde l'équilibre. Non, je suis tombé dans les boules. Vite, la clepside va bientôt se terminer. C'est ma dernière tentative. Si je garde pas l'équilibre là, c'est perdu. Allez. Allez, 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 allez. Droit, 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 droit. C'est bon, c'est bon, allez. Prends, prends, prends. Sous, 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 des sous, des sous. Vite, ils disent de sortir. Ah non, non. Peiné. On a été en prison, j'aurais dû abandonner. En fait, j'appuie sur Y au lieu de X pour sortir. Oh, je savais pas qu'il fallait sortir nous-mêmes. Ouh là là. Bon bah, on a échoué, hein, tout ça parce que je suis tombé dans les boules. Allez, on a du challenge au moins comparé à la précédente version. Bah oui. Mais alors attendez, ça veut dire qu'il y aura une épreuve supplémentaire. L'épreuve de Blanche, du coup. Ah oui. Ou alors, peut-être que tu vas devoir choisir un autre personnage en attendant. Non, je pense qu'il va y avoir Blanche, parce que j'ai vu sur la boîtier qu'il y avait de nouveaux personnages, dont Blanche. Et Blanche, c'est celle qui fait les libérations et les emprisonnements. Ouais, mais comment c'est quand on va faire son épreuve? La loi... La loi est dure, mais c'est la loi. Il y a un truc en latin qui est dit avant. C'est quoi? Je crois que c'est ça. Oui, mais en latin, c'est quoi? Ah bah, alors là... J'en ai aucune idée. Bon, on le verra si c'est modélisé, normalement. Bon, en tout cas, les petits chargements sympathiques avec le boyard. En fait, à la fin, on va juste voler le boyard qui fait charger le jeu. J'en ai des boyards, j'en ai... Ah, mais non, c'est rouge qui est là. Oh. Bim. Ah, oh, ils ont bien modélisé rouge, on dirait la vraie. Rachel le grain trapané. Que j'adore. Par contre, je trouve que... Passepartout, je crois. Il a beaucoup de cheveux. Bienvenue dans la cage. Ah, c'est Mister et Lady Boo n'auront aucune compassion pour vous. Alors, ils ont modélisé la tête de la vraie, mais ils n'ont pas fait sa voix, c'est dommage. Ils auraient dû la faire doubler. Oui, c'est vrai. Impact, bon. Frappe la bonne cible avant ton adversaire, appuie plusieurs fois pour accélérer le mouvement. Coup de pied à droite, coup de pied au milieu, coup de pied à gauche. Droite, milieu, gauche. Je crois que tu peux choisir le personnage que tu vas jouer. Non, il m'a pris le bleu en fait. Je peux pas aller à droite et ni à gauche. Ah bah, comme dans le vrai jeu, ils choisissent pas qui va aller dans la cage. Donc là, c'est uniquement taper les bons endroits. Donc droite, gauche, milieu. Droite, gauche, milieu. Toudou. La la la. Ah. Appuie plusieurs fois sur la touche pour frapper plus vite. Ok. Allez. Go, 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 go. C'est moi. Allez. Yes. Ok. C'est moi toujours qui gagne là. Vas-y, ton temps est le plus fort. Yes. Ah. C'est moi. Ah non, c'est lui. Comment ça, c'est lui? C'est pas possible. Y. Ah. B. C'est moi. Y. Ah. Ah.
B. Mais. A. C'est moi. B. C'est lui. A. C'est lui. B. C'est lui. A. C'est moi. B. C'est moi. Y. C'est lui. B. Bah, me suis trompé. Il a gagné. Ça m'a déconcentré que tu cries en fait. Oh désolé. Oh bah non. Bah si. Bon bah j'ai perdu. Tant pis, c'est l'échec. Ah oui oui, on pleure. Qui sait, peut-être qu'il y a blanche et rouge. Ah, de toute façon, là, je vais pas aller en prison. Toulou. L'autre, il est toujours en prison, tant pis pour lui. Hein. Il y avait qu'à sortir. Effectivement, la partie dure plus longtemps que dans la précédente partie. Donc, je pense qu'on va se limiter à des parties de 20 minutes, parce que sinon, ça va être un petit peu long. Et puis, ça permet de renouveler. Alors, ah, ça, je connais. C'était dans la version précédente. Et normalement, je maîtrise. Donc, on y va. J'accélère, je ralentis, je tourne. Et il suffit d'appuyer dans le bon ordre les cases 1, 2, 3, 4, 5. Tout. Allez, on y va. J'ai pas vu où était le 1. En tout cas, il est pas là. Donc, ah, laisse-moi. Bien sûr, il est de l'autre côté. 1. Oui, bah, je sais où il est, mais. Allez hop, ils ont mis tout à l'envers. Ah, il me pousse lui. Allez, le 2 de l'autre côté, on y va. Mais non, mais laisse-moi. Ils ont mis tout à l'envers. Allez, on l'évite. Tac, là, c'est parti. Le 3 est de l'autre côté. Donc on fait 2 demi-tours et on va à gauche. Allez. Oui. Allez. Et bim. Le 4. Ah. Il est là. Hop. Et le dernier, le il 5, est là. Allez. On a gagné. La nouvelle clé. Mais bon, je la connaissais cette épreuve, alors pas de mérite. En fait, j'ai perdu qu'aux nouvelles. Ce qui est normal, puisque je les découvre. Oui. Enfin, non, l'épreuve du coton-tige, t'as gagné. Ah ouais, c'est vrai. Doucement. T'es incroyable. Moi, je s'aime. C'est gentil. Pardon, excusez-moi, c'est Maggie qui a fait ça. Ah, eh ben l'autre il vit toujours sa meilleure vie en prison. Hein. Allez hop, au cachot. Au cachot le maudit. Tellement de chargement pour une minuscule cinématique. Bah en fait j'ai passé la cinématique, mais c'est vrai que de toute façon elle est minuscule et les chargements sont un petit peu trop lents finalement. Bah on va finir par prendre le boyard du chargement. Hein. Ah ça je connais aussi, c'est l'épée Excalibur. Ah attends, je vais faire comme dans l'émission. Retire l'épée de son support, puis utilise-la pour couper la corde. Bon en fait normalement il y a des trucs qui riment, qui font un peu plus mystérieux, et là il y a la dame qui parle comme ça. Là ça le fait pas. Clairement pas. May the perforas be with you. Allez on y va, il faut faire droite, gauche, droite, gauche, droite. Ah, on continue. Droite, gauche, droite. I. Ouf. Ya. Ah. Vite. Allez. Vite. Encore une fois. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Elle est pas ah. Arrête de dire tout ce que tu vois à l'écran. Parce que là, sinon, je vais rater. Et maintenant, il faut faire, tu vas voir. Il faut appuyer sur A pour calculer la puissance et choisir un endroit. Il faut toujours taper au même endroit. Ça a changé d'endroit là où ils ont tapé. Attention. Bim. Oh là. Oui, c'est au même endroit finalement. Allez, tac. Tac, oh, c'est pas très précis, mais au moins, je peux taper au même endroit. Hein. Tac, et bim. Ouh là là, attention, bim. Ouais, c'est gagné. Oui. Woup, woup. Et on a la clé. La corde. Il faut pas prendre le décor, Maggie, hein, il faut prendre la clé. Maggie, elle va à Fort Boyard, elle prend tout le reste, sauf les clés. Oh, un bout de pierre. Oh, un tapis. Oh, un seau. Oh, final, une chaîne. On va bien faire le même truc que les boyards, hein. Oui, oui. Si tu revends, ça fait collector. La doudie. Après, c'est pas sûr qu'il me laisse tout garder. Non, puis bah, surtout que t'as pas de mallette, hein, t'as pas de coffre. Regardez comment il court. Allez, hop. Bon, quelle va être l'épreuve suivante? Je ne le sais pas. Ouh, ah, ouh. Oula. Oui, bah ça va, hein. Fais pas ton petit coquinou. Ah, le jugement de Blanche. Oui, mais moi aussi. Tais-toi un petit peu, le père Fouha.
Allez, Blanche. Blanche. Apparemment, il y a une rumeur comme quoi Blanche et Rouge seraient en fait la même personne. Mais oui. Elles sont sœurs dans les dans l'histoire du fort. Mais dans la vraie vie, c'est la même. Regarde. Waouh. C'est Blanche. Elle est jolie. Elle est trop belle. Oh, ils ont pas Attends. Fait son serpent. Est-ce qu'il y a la musique? Ici, un seul moyen. Oui, il y a la musique. Relevez le défi que je vais vous proposer. D'accord. Voici votre jugement. Oh non. C'est dommage, il n'y a pas le serpent tout blanc. Ah, Flipper. Envoie la balle dans le trou en utilisant les flippers. Alors, flipper gauche, flipper droit. Ok, on va essayer. Normalement, je suis pas trop mauvais au flipper. Ah, c'est pour lancer la balle. Oui, bah voilà. Tout. Oh, c'est Blanche. Vous avez trois essais. D'accord. Allez-y. Trois essais, ça devrait le faire normalement. Quoique le trou il est un petit peu caché par des bumpers là, merci, mais non merci. Ah, ça on va être un peu va. Dur à mon avis. On a des concentrations ultimes. Wouh. Oh non. Vous n'avez plus que deux. Mais j'y suis pour rien moi à la sauter la balle. Concentrez-vous. Oui bah c'est ce que je fais Blanche, arrête un peu de... Oui. Wouah. Libéré. Délivré. Allez rejoindre votre équipe. Oui, bah on y va. Youhou! On a réussi l'épreuve de Blanche. On délivre, on va en vacances. Ta carte en est grave. Ouais, je sais. Très bien joué. Ah, Duralex, Sedlex, c'est ça. Ah, je savais bien que ça allait moi, être écrit. Je sais pas lire le latin. Bah, tu sais lire ça. Oui. C'est des lettres. Mais ça veut dire, la loi est dure, mais c'est la loi. La 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 douni. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh. Les candidats ont obtenu assez de clés pour entrer. Oh ouais. On a gagné les clés. Il est tellement outré. Il est choqué. Pour ça, il leur faudra des. Et maintenant, on va faire les épreuves pour gagner les indices. Et devinez quel mot ça va être. Le mot est prout. Indice, gaz, odeur, Maggie. Oh. Et le mot-clé est prout. Oh. Puisque Maggie est la reine des proutes. Même pas vrai. C'est pas vrai. C'est bien d'être reine. C'est pas vrai. Ah, je la connais cette épreuve. C'est le boyardodrome. Et en fait, il faut courir, courir, mettre les ballons dans les trous et tout. Douli douli. Allez. Cours jusqu'au panier et place-y les 4 ballons. On y va, on y va, on y va. Tendre le bras. Allez, 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 allez. Oula. Allez. Allez. Voilà. Et de une. Une balle balle. Allez, 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 allez. On prend l'autre balle. Et on court, 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 on court. On va à gauche, en bas. C'est fait, et de deux. Allez, on y va. Et tac, 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 et oui, et de trois. Elle est plutôt facile, celle-ci. Comme épreuve, je la maîtrise plutôt pas mal. Effectivement, je vois que tu maîtrises. Allez, maintenant, c'est celui de gauche en bas. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Et voilà, c'est gagné. On a le premier indice qui va s'afficher normalement chez vous à la maison. Excusez-moi, si on crie un petit peu trop, on va se calmer. Doucement. Tout doucement. A, O, U, I, A, E, I, O, U, je connais les voyelles. Mais là, on se relâche pas. Qui a dit qu'on se relâchait? Mireille. La petite Maggie. Ah oui, c'est vrai, là aussi, les orbes sont cachés. Ah, méga gaffe. Méga gaffe, je l'avais aussi dans la précédente version du jeu. Il faut garder l'équilibre, en ramasser tous les trucs et ensuite on peut prendre la risson. Ouin, ouin, ouin. On est dans l'eau. Attrape toutes les pièces, puis l'indice. Et on appuie ici pour la puissance. Allez, c'est parti. Il faut garder l'équilibre. Première pièce, c'est bon. Ça
ça a pas l'air facile, facile. Et en fait, allez. Tout est une histoire d'équilibre et d'anticipation du mouvement. Voilà, et de gestion de la puissance et de la hauteur. Autrement dit, voilà. C'est un jeu, quoi. Oui, et puis c'est facile, regarde. Maintenant, j'ai plus qu'à attraper l'indice et c'est fini. Mais pourquoi avais-tu besoin d'attraper les pièces? Bah pour qu'il y ait du challenge, pour qu'il y ait du challenge. S'il y a juste l'indice à ramasser, c'est trop facile. On a l'indice! Non. On a gagné. Wouhou! Sans faire un seul plongeon dans l'eau. Ça, c'est pas mal. C'est magnifique! Oh oui, Christina! Ah non, moi c'est Maggie. Ils ont réussi l'épreuve. Qu'à cela ne tienne. Ils n'ont pas encore gagné. Oh, le rageux! Ah, la caserne, je connais aussi, c'était dans la précédente version, donc ça devrait aller. Ah. C'est la caserne des pompiers. La chanson, c'est plus allô les pompiers, il y a la maison qui brûle, c'est allô les pompiers, il y a Fort Boyard qui brûle. Ouais, donc on court, on prend le seau d'eau, et puis ensuite on le verse. Un verre d'eau, je pense pas que ça va suffire à éteindre un feu. Non, pas du tout! Allez, l'indice est là-bas, on y va. Tac, 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 on appuie sur A. On a l'eau. On y va, on y va, on y va. On verse. Ok. Allez. Comment il jette le seau. Vas-y, tu vas y arriver. Hop. Et il faut mieux prendre quand c'est dans le verre pour avoir plus d'eau. Je sais pas si t'as vu, il y a une barre en bas. Ah oui. Et alors on y va et bim. Alors je suis pas dans le vert mais je suis pas dans le rouge non plus. Donc ça va, j'ai pris assez d'eau je pense. Allez. Allez encore je une fois. Je peux l'attraper. Allez. Allez. Ah, toujours pas dans le vert mais je pense que j'ai assez d'eau. Allez 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 allez. Oui, verse. Et wouhou. Gagné. On le voit même gagné, pas prendre la clé, mais ah, quand même. Enfin, un indice, c'est pas une clé maintenant. Il crie, je l'ai, je l'ai. Tout en se laissant rouler. Eh oui, le fameux rouler-bouler, Maggie. Wouhou. On roule et on boule. Ou alors on roule en boule. Ou alors on fait une boule de roule, je ne sais pas. Oui, mais roule. Mais qu'est-ce que du roule? Eh bien, le roule, en fait, c'est une spécialité normande. Non, j'en sais rien. Aha. J'ai hâte de commencer. Eh ben moi aussi, alors arrête de parler. C'est les maîtres du temps. Tous ces gestes avec ses mains qui fait n'ont pas toujours à voir avec la situation. Non. Et enfin, de nouvelles épreuves, parce que dans la précédente version du jeu, il n'y avait que l'épreuve de la mémorisation des couleurs. Ah, là au moins, voilà. Envoie les fléchettes plus proches du centre que ton adversaire. On déplace l'arbalète et on tire. Bon, je ne connais pas cette épreuve, on verra bien. Je vais faire le meilleur de moi-même, mais je ne garantis rien, en réalité. Je t'encouragerai. Merci. Assez, mais pas trop non plus, sinon je vais te déconcentrer. Concentrez-vous. Oh, joli. Car voici votre duel. Oh, la table qui s'ouvre. Waouh. Envoyez vos trois flèches au plus proche du centre de la cible. Ok. Alors. Attention. Ah oui, d'accord. Alors, attendez. Oh là là, tout tourne. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah mais, viens par là. Ah mais, j'arrive pas. Mais c'est trop dur. Ah. Ah oui, d'accord, mais... Je suis nul. C'est beaucoup trop dur. Arrête, si tu fais mieux que lui... Oh, j'ai mis au centre. J'ai 11 points. J'ai gagné du temps. Eh ben dis donc, c'est un coup de chance, hein. Vraiment. En plein milieu. Là, en plus le 7 c'est mon chiffre préféré, donc. Ah bah parfait. Merci Père Fourré. Oh, il est pas content lui. Le pauvre petit chat. Le pauvre. Il va pas avoir sa pâtée. C'est vraiment un rageux, Père Fourré. Oui, alors qu'avant, il était pas méchant dans les premières versions de l'émission. Ah bah je oui, comprends il pas. Était, il était gentil et il tout. Était il gentil. Voulait les aider. Mais oui. Mais non. Mais il est devenu. Il est méchant. Il a... En fait, il en avait marre qu'on lui pique ses boyards. Ça doit et être du ça. Coup, allez. Il est devenu un rageux. C'est la salle du trésor. Il faut trouver la solution de l'énigme. Et je vais pas donner la solution tout de suite. Je vais essayer de laisser Maggie trouver la réponse. Et puis, moi, si je l'ai trouvée, je lui dirai si c'est ça ou pas.
Ouh, sachant qu'il y a du temps. Nous avons dépassé les 20 minutes. Oui, on a dépassé les 20 minutes. Trouve la solution de l'énigme. Alors, Maggie, il va y avoir des mots-clés. Il faut trouver le... Voilà. Respirer. Trompe. Sentir. À ton avis. Odorat. C'est éléphant, gorge, air, nez, œil ou langue. Alors, éléphant, gorge... Nez. Moi, je dirais nez aussi. Parce on valide nez. On sent avec le nez. On valide. Oui. On valide le nez. Oh, si c'est pas ça, c'est la honte. Hein. Ah, ah bah oui. Attention, il va y avoir la petite féline drette, tête de tigre. Ah, suspense, écoutons. C'était bien le nez. Prends les boyards. Allez, prends les boyards. Il faut prendre avec ça. On prend les boyards jusqu'à ce que la zone à gauche se remplisse complètement. Vous le voyez. Donc il faut tendre son bras et aller ramasser les pièces. Hop là. Et ensuite il faut retourner là-bas pour verser. Sans tomber bien sûr. Allez hop, c'est bon, c'est plein. On y va. Allez, leur verre, on y va. Oui, cours. Cours. Il faut pas cogner les autres sinon on perd des boyards. Voilà. Il est coincé. Allez cours hop. Pour les sous. Cours pour les sous. Ah, là, je ne vois pas la caméra. Pardon. Bah voilà, j'ai perdu. Il va y avoir une pénalité parce que j'ai fait tomber des boyards à quelqu'un, mais je ne l'ai pas vu à cause de la caméra. Hop. Allez. Cette musique est toujours aussi belle. Elle est magnifique. Ok. Comment ça se fait qu'il ne peut pas attraper une clé, mais qu'il peut attraper des boyards aussi loin? Ah bah ça, hein, c'est magique. Allez, les derniers petits là. Oh, tu peux peut-être en prendre encore un. Ok. Ah, oh bah, tu en as pris beaucoup plus que un. On y va. Ne me pousse pas. Merci. Je pense que j'ai pas le temps d'y retourner. Hein. 20 secondes, ça va être un petit peu chaud. Bah, tu prends, mais juste une poignée. Ok. Oups. Ouais, non, ils s'en vont tous, c'est bon. Je vais attendre là. Non, allez, non, je vais attendre là. Parce qu'après, il y a une pénalité si on reste là. Ah bah, et eux, oui. Ils y retournent pas. Non, on va avoir une pénalité, Mélissa. Bravo. Ouais. Quoi, fais gaffe. Toi, fais gaffe. Tiens, je te pousse, moi. On a gagné, on n'a pas eu de pénalité. Enfin, si, quelques petites pièces. Ouais. Attention. Est-ce que je vais battre mon record? Je pense pas. Mon record, c'était 16 000, je crois. Un truc comme ça. 12 022 boyards. Eh bien, écoutez, nous avons... Oula. Qu'est-ce qu'ils avaient? Un petit peu bugué, quand même, hein. Qui part en bug. Ils sont donc parvenus à résoudre... Bah oui, hein, c'était pas dur. Ma foi, eh oui, on était doués, c'est tout. Oui. Félicitations. 12 022 boyards. Alors, on a raté le casino, on a raté l'impact, et on a eu 338 de pénalité. Donc on aurait pu avoir 12 360. Mais c'est pas grave, on a gagné, c'est déjà pas mal. Et on a fini cette première partie du nouveau jeu de Fort Boyard, la nouvelle version. Et c'était cool. Et on n'a pas fait tout le tour, il y a encore plein d'épreuves qu'on n'a pas vues, qu'on fera dans une prochaine vidéo. Alors Maggie, le petit mot de la fin de cette vidéo? Eh bien franchement, c'était génial. Eh bien écoute, on va refaire une partie pour nous tout de suite et pour vous dans une prochaine vidéo, un prochain jour. Alors bien sûr, pour ne rien rater, n'oubliez pas de laisser un max de pouces bleus, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, d'ici la prochaine, portez-vous bien, plein de gros bisous. Bye.